Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 288 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Stack TNT Alpha, parce que ça doit être un jeu récent. Je vais me baisser un poil le son dans mon casque. Et ça m'étonnerait qu'il se joue à la manette. J'y ai jamais joué par contre, mais là, venez, ça marche pas. On va donc... Du coup, j'imagine que c'est un jeu de plateforme. Et on va y jouer maintenant en mode bah, survie. Standard. Mob corps présence. On va mettre l'eau parce que c'est un jeu, on va découvrir le jeu, on va pas... Voilà. Je pense que ça veut, c'est un peu la difficulté. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Succès déverrouillé, ben, ça tombe bien, je commence le jeu, c'est pas mal. You are Chuck Guy Strange in Desolation World, Desolate World. Control Crafting, Recipe. Oh, je vois déjà le style de jeu. Est-ce que ça... Non, ça se contrôle pas à la manette du tout, voilà. Et ben, c'est bien. Ça se contrôle pas à la manette. Oh mon dieu! Ça se contrôle avec le clavier. Et dans les settings, j'ai pas le contrôle. Je vais péter un câble. Alors on va essayer de s'amuser sur ce jeu. Je vous dis que c'est mal barré quand même. Alors c'est A pour aller là. D pour aller de l'autre côté. On est d'accord. Il faudrait que je passe mon jeu. You have found the following items. 50 wood, 50 stone. Final blueprint. Great. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ok. Alors. On va essayer de se balader avec lui. Alors, hé! Yo, lolololo. C'est un Minecraft en 2D, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Ah, puis avec le son et tout. Yo, yo, lolo. Comment je fais pour... Voilà, pour enlever ça. On est d'accord. Alors, ça c'est pour sauter. On va là et on saute. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Je comprends pas trop. Ah, en fait, ça m'aide à construire les trucs qu'il faut que je construise. Ouais. C'est impressionnant. Protect your flag. Ah ouais. Faut que je protège mon flag, c'est-à-dire ce truc-là. Désolé, c'est vache. Oh putain! Censé faire ça sans déconner.
Genre les mecs là ils vont essayer de passer quoi. Mais ils vont y arriver en plus. C'est quoi ça? J'essaie de comprendre en fait les En fait j'ai perdu mon petit bonhomme, je crois bien. Il est passé où mon petit bonhomme? En fait je suis sur une sorte d'île bizarre. Wacon le terrain. Voilà, je suis sur une sorte d'île bizarre, j'ai construit mon petit truc. Et ça met 2 heures. Et en fait voilà quoi. C'est un Minecraft de merde en fait ça. Je suis pas du tout en train de m'amuser. Je suis désolé hein, mais ouais. Bah je peux rien faire d'autre en fait là. Puis lui il a bugué j'ai l'impression. Puis mon personnage je sais pas où il est. Ah il est là. Oh il est là. Ah mais c'est pour ça que j'arrivais rien à faire. Je me suis enfermé dedans, qu'est-ce que je suis con. Comment je fais moi? Je me suis enfermé dedans, mais qu'est-ce que je suis con. C'est pour ça que j'arrivais pas à construire les blocs là. Et lui il essaie de creuser. Je peux pas me déplacer dans la carte. J'ai un peu du mal. C'est centré sur mon personnage. Alors là, il y a un truc là-haut. Voilà, voilà. Bon, et ben, on va s'arrêter là sur ce jeu. Je pense, hein. Si on peut appeler ça un jeu. En plus d'être mal fait, il est buggé. Hein, parce que je pense qu'il aurait dû se passer quelque chose depuis tout à l'heure. Et il se passe rien. Et j'ai bloqué mon perso et je sais pas comment détruire les blocs. Ah bah comme ça. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait. Il faut appuyer comme un barjou. Ça c'est de l'or ça. Faut que j'ai cliqué combien de fois tu attendais. Non, enfin rien du tout. Et du coup, je vais peut-être pouvoir débloquer mon perso. Ok, donc l'autre là, il est en train de traverser la pierre. Voilà, voilà. Allez, meurs. Ah, voilà, ils sont morts. Voilà, voilà. Ah, voilà ma belle sculpture. Donc, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là sur ce jeu, ça s'appelle... J'ai oublié le nom, putain ça mérite même pas d'être connu. Ça s'appelle Main menu. Voilà, ça s'appelle Stacks TNT. Et on est censé pouvoir construire des trucs comme dans le jeu là. Et ça doit falloir être patient parce que moi j'ai pas bien compris. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette mini vidéo qui a pas présenté grand chose. Ah moi je donne mon, voilà, de toute façon j'ai jamais dit que j'étais expert, mais je donne mes sentiments par rapport à un jeu. Déjà c'est compliqué, il faut configurer son clavier en anglais, ça marche pas avec la manette, c'est complètement du 2D, c'est pas si joli que dans l'image là, c'est pas ça, c'est moche. On peut pas naviguer comme on veut dans la vue,
Ouais, bon, pourquoi pas. Mais alors on peut se mettre en mode créatif, j'imagine, ou voilà, on n'a pas d'ennemis, on fait ce qu'on veut. Mais je vois pas l'intérêt. C'est pas... Ça vaut pas le coup, je trouve. Voilà. Donc voilà mon avis sur ce jeu, j'espère que vous avez aimé, donc je vous ai dit. N'hésitez pas à partager, à faire connaître ce jeu. En tout cas, voilà, ça, au moins j'espère que ça vous a donné un avis dessus et savoir si vous allez l'acheter ou pas. Pour ma part, je l'ai, mais je pense que voilà. J'aurais mieux fait que non. Ça m'a pas l'intérêt, je vais jamais y rejouer, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se dit salut.